この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Autant ne pas prendre de risques, je vous le dis tout de suite, d'où le cut direct quasiment de l'introduction du jeu. Voilà, pour les problèmes de droit évidemment, vous l'aurez compris, que ce soit la musique ou les images du film. On avait adoré Taxi 2, souvenez-vous, sur PlayStation, même si la version Dreamcast existait sur PC aussi, qui était aussi nulle hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, ils auront joué à Taxi 3. Et nous allons voir si c'est possible de faire un jeu pire que ça. Pire que Taxi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis posé pourquoi il n'y a pas eu Taxi tout court. Peut-être que le premier Taxi aurait été bien. Alors, on va découvrir le jeu ensemble. Donc on peut avoir joueur 2, joueur 3, joueur 1. Attends, est-ce que ça veut dire qu'on peut être... joueur 3... Non, pourquoi 3 joueurs en fait? C'est bizarre. Bon, enfin, joueur 1. Accepté. Alors, on a un mode scénario, un mode Taxi. Un mode crédit, on va voir les options déjà pour commencer. On a donc les vidéos. Centrer l'écran, d'autres. D'autres diront que l'on peut, on peut changer la résolution d'écran et aussi sa position. On a le droit à un flou cinétique. Oui, non. Alors par contre c'est super étonnant. Au niveau du maniement. Bon, on va faire ça, on va faire oui, on va mettre 8 pour les deux. On va faire retour. Et on va voir du coup dans les audios qu'est-ce qu'on a comme option. Alors la musique, je vais la baisser un peu, on sait jamais. Commande. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on est sur GameCube, le jeu est sorti sur PlayStation 2, il est sorti je crois même sur Xbox, enfin il est sorti un peu partout. Et je prends un GameCube, pour prendre un GameCube, il n'y a pas spécialement de choix logique à ce niveau-là, enfin, je pense que le jeu va rester le même. Donc on a les freins, donc c'est les gâchettes, hein. Frein accélération sur les gâchettes, la direction, donc au choix avec la croix directionnelle ou avec le joystick. Ensuite on a la vue arrière, hein. D'accord, le turbo, la frein à main et la caméra. Et vous remarquez en fond du menu, on a quelques images du film. On va faire retour. On a un mode scénario, un mode taxi. Chargement, c'est pour changer la partie. Si regardez, pour sauvegarder, vous aurez compris. On va voir le mode taxi, ce que c'est. Et du coup, on a une mission qui s'appelle Mon nom est BJB. Baby Boom, Yes Yes Sir. On a le Père Noël, la poursuite de Q. Évidemment, on reprend l'histoire du Taxi 3, vous l'aurez compris. Taxi 3 qui est un peu comme le 2, toujours sur la pente descendante. Hein. C'est le cas de le dire, les gens. Puisque c'est encore de plus en plus nul. On s'enfonce dans la médiocrité. Et puis, on a un Taxi 4 aussi qui va arriver derrière, qui s'enfonce encore plus. Même si certains jeux d'acteurs relèvent un peu le niveau, le reste est... Pff, voilà quoi, c'est, le 3 on va dire c'est la limite quoi. C'est la limite, c'est le dernier Taxi qui est à peu près correct. J'ai dit bien à peu près correct. Le 4, oh my god. Et le 5, même pas la peine d'en parler. Il n'a jamais existé. Donc on a tout ça, on a Baby Boom 2, Road to Rocktown, Baby Boom 2, voilà tout ça. Bon, j'ai tout verrouillé, donc en fait je peux même pas faire de mission de taxi si je comprends bien. Donc j'imagine que pour faire ça, il va falloir faire le mode scénario. On a le niveau de difficulté fait, moyen, fort. Écoutez, on va voir en moyen ce que ça donne. Alors choix de la mission, mon nom est JB, bah finalement c'est la même chose en fait.
Alors, résumé. Le célèbre agent secret entre en catastrophe dans votre taxi, de se rendre à l'aéroport en toute urgence. Coupé brusquement dans votre repas, la colère monte en vous, mais une grosse liasse de billets vous ramène vite à la raison. C'est parti pour la course de la journée. Objectif, amener l'agent secret à l'aéroport et faire une sorte d'arrivée dans le temps imparti, en plus des checkpoints obligatoires. Devancer le train dans le passage checkpoint. Donc, pour ceux qui se souviennent encore du 3, l'introduction du 3 commence avec Stallone carrément qui est poursuivi hein, dans la ville de Marseille, et puis du coup il se planque derrière une voiture. Il s'avère que la voiture c'est la voiture de Daniel, donc sa voiture. Et du coup il propose vite de les semer quoi. Donc je pense que ça vient de là, la mission. Et du coup on va découvrir ce Taxi 3. Je pars avec aucun a priori, même si on pourrait dire oui avec le 2, il doit être ultra pourri cet a priori. Non non, on va voir un peu comment ça se passe. Chargement en cours, on va voir. Là le chargement est un peu lent. Et on a le jeu en français mais la voix en anglais. Ok, ok, ça commence bien. Regarde, on a un tremplin. Ouais, regarde, on a une vue. Ça commence bien, ça commence bien. Je sens que ce jeu va me plaire. Ah oh, bah non, en fait non, j'ai rien dit. La voiture n'a pas été modélisée en dessous, c'est dommage. Alors, donc on a un temps limité, on doit aller, je ne sais pas où, mais en tout cas on peut y aller. Donc on a la voiture de Daniel, donc le Peugeot 406 habituel du film, hein, jusque là, rien d'extraordinaire. Par contre, étonnamment, le taxi de Daniel n'est pas représenté dans sa version modifiée. C'est-à-dire que là, on a vraiment la version classique en fait, hein, comme si on avait un taxi 406 basique. Alors je vais faire un petit premier check au niveau de la maniabilité, mais écoutez c'est... Oh ça va hein, concrètement, bon c'est assez, c'est très arcade dans le maniement. Mais ah, il y en a une 206 qu'on a dépassée, j'ai reconnu la voiture. Je pense qu'ils sont fait exprès d'avoir récupéré des voitures qui existaient déjà. En tout cas pour certaines. Je plateforme à 219 km/h. Aïe aïe aïe, attention. On va toucher les gens sur la route qui n'avaient rien demandé. Voilà, en plus le jeu va nous mettre derrière le... On va accélérer vite. Accélère, 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 tu peux le faire, tu peux le faire. Et ben voilà, je voulais me faire aider par une voiture, finalement ça se passe pas très bien. Et du coup on va échouer, super. On va redémarrer, 3 caddies restants, on va redémarrer. On va recommencer. C'est reparti. Alors, au niveau de l'affichage, vous remarquerez qu'on n'a pas grand-chose, hein, hormis le temps limite. On a donc le contour avec, avec les kilomètres-heure. On a... je pense que c'est l'état du taxi de Daniel, puisque on voit une barre. Une barre de vie, hein, concrètement. Évidemment, le but ça va être de pas casser la voiture. Alors, j'essaie de me concentrer un petit peu. On est en mode moyen, donc on va voir un petit peu ce que ça donne en mode normal. Oh là là. La voiture a des réactions tellement vives que c'est assez difficile de. Je crois que là, il était censé nous montrer un saut. Mais comme le saut a pas eu lieu, ça a pas trop marché. Alors, je vais voir, est-ce qu'on a des vues différentes? J'ai pas l'impression. Oui, si! Regardez, on a une vue un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est une vue assez classique. Enfin, attention, il y a des travaux un peu partout, on est à Marseille normalement, hein, donc effectivement les travaux, il y en a partout, je peux le confirmer, pour y avoir déjà été. Mais dans n'importe quelle ville, de toute façon, il y a toujours des travaux. Et on a une vue, donc vous l'avez vu, un petit peu ras du capot. Sympa comme vue d'ailleurs. On va essayer de passer par là. Oh là là là. Alors, j'aime bien, hein, il y a beaucoup de trafic. Et ça rend le truc un peu... Attention, danger. Danger pourquoi? Ah, il y a un train ouais, qui passe. On va dépasser le TGV, on va aller plus de cul, c'est la SNCF. Hein. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est une petite allusion au moment où Stallone et Daniel dans la voiture roulent toute berzingue, évidemment, toute berzingue. Ça c'est vraiment un truc de vieux, faut que j'arrête de dire ça. Et pour le coup, dépasse le TGV. Voilà, dépasse le TGV. Et du coup, il dit c'est le TGV ça. Et là, tu lui réponds, ah oui, ah c'est une belle machine. Hein.
Bon, ça va vite, ça va vite dans les courbes, hein. Par contre, en ligne droite, ça se traîne un peu. Enfin, je crois que c'est ça qu'il dit. Donc voilà, petite allusion du coup au train dans cette première mission. Et du coup, on a réussi la première mission. Et on a droit à une petite vidéo. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai passé, je crois pas. Je crois pas avoir appuyé sur une touche, donc normalement ça devrait être bon. Voilà, je vais quand même essayer d'éviter tout ce qui est partie film. C'est dommage, hein, parce que finalement, on y joue un peu pour ça, mais bon, si on a ce jeu, c'est qu'on a vu le film, donc logiquement on a déjà vu le film, on n'a pas besoin de revoir. Ça sert à rien. Et regardez, on a un nouveau kit disponible, voilà, un amortisseur. Alors, Baby Boom, Lily se rend chez le docteur et son père, le général, ah, voilà, on va y arriver. Lily doit se rendre chez le docteur et son père, le général, au commissariat. Vous vous proposez de les amener, ayant appris que Lily était enceinte, vous déciderez de rouler très prudemment pour ne pas faire subir de choc au bébé. Emmenez Lily enceinte chez le son docteur le plus prudemment possible, ok. Évitez au maximum les chocs violents. Ouais, donc faut quand même aller vite, mais il va falloir faire gaffe de pas trop balloter, on va dire, taper de voiture, etc. En tout cas, on part beaucoup mieux que sur Taxi 2. Là, je vous le dis direct, clairement, il y a eu quand même une belle. On est bien monté en niveau, quoi. Franchement, je m'attendais à un truc bah, peut-être pire, ou etc. Ou au moins équivalent. Franchement, ça va. Par contre, ils auraient pu prendre une voix française pour. Alors, on est accompagné de la police. On va aller à fond, hein, mais bon, peut-être qu'il faut pas que j'aille trop lentement. Trop lentement aussi. C'est entre les deux, quoi. Il faut que j'aille vite, mais sans prendre tout. Non, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, par contre, il va falloir éviter de prendre des sauts, évidemment. Ce qui est bien, c'est que. C'est qu'il y a du monde hein, sur la route. Franchement, là, il a dû croire qu'il y avait un saut. Du coup, il m'a mis la caméra avec le saut. Par contre, ça c'est bizarre. Aïe. Je vais essayer de les repasser. Ah, c'est une 3... 307, je crois qu'on a dépassé. Je pense qu'il y a des, ils ont fait exprès de prendre des modèles de voitures de tous les jours. Ils ont légèrement modifié quelques détails pour qu'il n'y ait pas le problème de marque, mais on reconnaît certains véhicules. Alors c'est pas évident. Oh, qu'est-ce qu'il voulait lui? Regardez-moi ça, on a un camion qui fait n'importe quoi. C'était quoi ça? Il fait quoi ce camion? Il fait quoi ce camion? On a un camion qui fait n'importe quoi. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. En plus il freine, il pile, on sait pas où il va. Oh là là, bon sang. Oh, j'ai réussi à passer, je sais pas comment j'ai fait. Je suis passé à travers les embûches. Oui, on a la police qui nous aide en fait, j'ai l'impression, peut-être pour laisser passer, enfin, ouvrir le passage, on va dire. Par contre, lui, il fait vraiment n'importe quoi. Du coup, je freine. Ah, par contre, le coup du camion qui nous suit là, ouais, je m'attendais pas à ça. Et on a réussi. On a réussi. Bah écoutez, franchement, je suis surpris en bien. Ça me fait presque mal au cul de dire ça, parce que vu la bouse que c'était dans le 2. Bah, les missions sont plutôt. Pour l'instant, c'est propre. Le jeu est pas trop moche. Bon, on pourrait faire beaucoup mieux. Hein. Mais c'est fluide. La maniabilité est correcte. La mission, bah là, c'est un peu l'inattendu, quoi. Le coup du camion qui t'embête sur la route, bon, bah pourquoi pas. C'est pour l'instant, ça va. Bon, je trouve, franchement, rien à dire. Et du coup, voilà, on aura une cinématique, donc c'est très court, hein, les cinématiques, vous l'aurez compris. Par contre, là, vous avez vu, j'ai tapé un petit peu avec la voiture, bon, bah, ça n'a pas posé problème. Par contre, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus sensible, la voiture, hein, au niveau des points de vie. On n'a pas beaucoup tapé, le peu qu'on a tapé, elle a vraiment pris cher. Là, on a débloqué un booster de type P45. Je suis sûr qu'ils ont pris une vraie photo. Ouais, ça, c'est vraiment une photo qui a été prise en vrai. Sauf que c'est un booster, ça. Pourquoi on dirait une écope de frein? Bon, c'est pas grave. Alors, on va passer à la mission 3. Sir, yes sir. Donc, cet excès de prudence ayant mis le général en retard, il va falloir rattraper le temps perdu. Pas de problème, c'est dans vos cordes, pied au plancher. Donc, il va falloir emmener le général le plus vite possible au commissariat et se faire flasher par le radar à plus de 245 km/h. Ok. Mais écoutez, on va essayer.
Voilà, pour l'instant, je suis pas surpris, mais je suis pas déçu. Franchement, bon, et alors, je pense que le jeu doit pas être très long, il doit pas avoir 40 000 missions. On a un mode normal, je rappelle. Il y a le mode difficile aussi, après qui doit peut-être donner un peu plus de challenge. Ouais, je me rends compte, en fait, j'ai inversé les touches sur la croix directionnelle, c'est pour ça tout à l'heure que j'avais du mal dans les menus. Et ben, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne. On va voir si l'émission, si l'émission change un petit peu, s'il y a un petit peu d'évolution. Ah ouais, alors que le camion va se taper à chaque fois, quoi. Là, c'est pareil, hein. J'ai pas compris ce délire de la caméra replay. Alors, on peut le désactiver, hein, on l'a vu tout à l'heure dans les options. C'est une option qui est désactivable d'avoir la vue un petit peu cinématique. Et voyez, on a même des voitures qui sont garées sur les côtés. Par contre, j'ai l'impression d'être déjà passé par là, hein. Cet endroit, je le connais déjà. Bon, ça serait logique puisqu'on va encore, on voit le père de notre copine, donc on doit être dans le même quartier, puisque là c'est logique. Oh! Oh là, ils sont en train de faire un burn-out là. Joli, en tout cas, jolie caméra. Les conducteurs font un petit peu n'importe quoi des fois, hein. Ça c'est pas mal, on peut être surpris à cause de ça. Et par exemple, la voiture bleue là, elle a fait. Un peu bizarre ce qu'elle a fait. On a des trucs en plein milieu de la route, bon bah écoutez, on est près d'un port, hein, donc jusque-là tout va bien. On peut faire des sauts, vous remarquez que je ne les fais pas. Tout simplement parce que bah c'est pas spécialement intéressant. Et donc c'est là. Oh, 220, on n'a pas réussi. Objectif échoué? J'ai échoué. Ok. Alors, j'ai échoué. Mais il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Il y a bien un moment où je peux utiliser le boost. Ah mince, continuer. Y a bien un moment où on avait un boost, il me semble. Je sais qu'à un moment il a parlé de boost. Peut-être qu'il faut m'utiliser le boost à ce moment-là. Parce que franchement, on n'a pas été très lent, hein. Bon, on était à 220, il fallait prendre 245, mais on va retenter. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un moment où on arrive à être à. Où on a réussi. Je sais qu'il n'y a pas un moment où on a. Oh là là! Bon, ben, Liam veut pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un moment. En plus, il va repartir. Il va me retaper. Super, merci. Ah, si, si, on a un boost. On a un boost. D'accord. Bon, bah, on va essayer d'utiliser au bon moment. Bon, là, on a perdu tellement de temps qu'à mon avis, ça va être compliqué de prendre le checkpoint. On va voir. Hein. On a le camion qui va nous embêter. Ouais, donc en fait, j'ai oublié qu'il y avait une touche pour avoir un petit peu de nous. De noce, comme vous voulez. Et on va l'utiliser quand tu auras le radar. Alors là, j'ai perdu tellement de temps dans l'impact que, à mon avis, je vais pas pouvoir passer ce checkpoint. Oh, c'est dommage! Temps expiré. Bon, on va recommencer. C'est dommage parce que là, on l'avait passé. Hein. Par exemple, dans Sega Rally ou d'autres jeux, ça passe. Hein. Le fait de glisser avant de freiner sur le checkpoint, il le prend en compte. Là, il a pas voulu. Donc, ouais, on a un petit boost. Ok, avec le X. Donc on va l'utiliser dès qu'on peut. Aïe aïe, ça commence mal. On va se faire rentrer dedans. Ouais, c'est bon, on va accélérer. Et du coup, gros carton sur autoroute A5. Qu'est-ce que j'ai fait comme accent? Ça ressemble à rien. Bon, on a perdu un peu de temps, mais peut-être un petit peu moins que tout à l'heure. Alors là, j'étais censé passer entre les deux. Alors je crois que c'est une Xantia ça qui est devant nous. Ou une Calibra, je sais pas. Ça va être encore plus impossible de passer. Le camion, il m'ennuie vraiment. Hein. Là. Oh là là, mais c'est pas possible. Regarde, à chaque fois, j'ai la vue extérieure. Je vais mettre le boost un petit peu. Voilà, pour arriver à l'heure. Oh,
c'est pas vrai. Bon, bah on a plus de crédit restant. Du coup, on va devoir tout recommencer. Grrr. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai compris qu'il y avait un boost maintenant. Du coup, on va pouvoir s'en sortir un peu mieux. C'est bizarre parce que j'ai fait moins d'erreurs dès le premier coup. Et dès qu'on a recommencé, bah, j'ai fait plein d'erreurs. Du coup, on va essayer, hein, simplement. Partie terminée. Ah, il faut à chaque fois que je refasse tout. Oh, sérieusement, là? Ah, il faut que j'arrive à enchaîner toutes les missions d'affilée. D'accord. Ok, bon. Ok, donc on va recommencer. C'est magnifique. Bon, du coup, j'ai découvert qu'il y avait le boost. Donc, on va pouvoir peut-être aller un peu plus vite. Mais vous voyez, quand on a le boost, en fait, on a une jauge qui augmente en bas à droite. Et je pense que quand elle est à fond, en fait, on ne peut pas l'utiliser. D'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai pas cette jauge de boost hein, quand je commence le jeu. C'est vraiment quand je débloque qu'elle apparaît. Oh mon dieu. Alors, on s'est mis en mode normal, hein, donc effectivement, j'aurais peut-être dû mettre en mode facile pour un peu avancer dans le jeu. Mais je trouve que le jeu a un certain challenge quand même, hein, on l'a pu le voir ici. Par contre, il faudrait que j'enlève la caméra. J'aurais dû enlever la caméra cinématique. Quand on fait des petits sauts, parce qu'elle n'a pas grand intérêt, je trouve. Après, voilà, comme je disais, le jeu est fluide, les graphismes sont plutôt corrects. Le graphisme, assez bon. On reconnaît les voitures autour de nous, le maniement, ça va. Bon, les chocs sont pas terribles, voilà, c'est un petit peu dommage, hein, surtout quand on va comparer à l'époque avec un Burnout 1 ou 2. voilà, c'est pas du tout pareil. Mais franchement, je vais pas lui mettre une mauvaise note, hein. Honnêtement, dès le début, bah, je suis plutôt surpris qu'ils aient réussi à faire un jeu correct. Alors évidemment, c'est loin d'être un jeu triple A. Je vais pas lui mettre 4 sur 20, hein, on est d'accord. Mais bon, je sais pas. Moi, je pense que pour l'instant, enfin à l'heure où je vous parle en tout cas, alors peut-être que j'ai pas vu les problématiques à venir, hein. C'est-à-dire potentiellement les prochains bugs dans d'autres missions, etc. Bon, objectif réussi, ça c'est bon. Ouais, il fallait finir devant le train, ok. Ouais, là j'ai pas de boost, hein. Si j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Tout simplement bah, parce que je l'ai pas débloqué. En fait, ça fait plutôt jeu d'évitement d'obstacles qu'autre chose. On a même les hélicoptères. On pourrait même changer la vue, hein, tant qu'à faire. Bah heureusement que j'ai changé au dernier moment. Voilà, on va passer à la mission suivante. Alors, je sais pas s'il y a des missions qui sont propres à différentes consoles. Peut-être que par exemple, si vous jouez sur la version PlayStation ou autre, peut-être que vous allez avoir des missions différentes, peut-être un ordre différent, je sais pas trop. Bon, les chargements sont un peu longs. Ouais, c'est la seule chose que je pourrais critiquer pour le moment. Enfin, il y a d'autres choses à critiquer qui sont critiquables, hein, mais bon, on va dire que ça, c'est vraiment le. Pour moi, ce qui en est le plus, pour moi, c'est ça. C'est le temps de chargement. Par exemple, là, on a des nouvelles suspensions. Mais je sais pas quel intérêt ça a finalement. Oh, attention, les flics. Alors, là, on va faire attention. Oh la vache! On va faire attention, hein, comme tout à l'heure avec Lily. Bon, ils disent pas faire de saut, on va faire quand même faire un saut. On va voir ce que ça. Vous avez quand même le moteur qui monte en régime. Mais ça va, ça impacte pas le bébé. Le bébé sera un futur cascadeur, hein, vous l'aurez compris. Pas de problème avec ça. Alors même les chocs légers, il en veut pas. Hein. J'ai peur des. Je perds un petit peu de vie en fait en bas, même quand je fleure une voiture. Voilà, ah, par exemple, c'était pas ma faute. Je crois que c'est un Picasso ça d'ailleurs. Et voilà, on a le camion fou.
Est-ce que je vais réussir à passer entre la voiture et la C5? Ouais, tout est bien passé. C'est n'importe quoi. Oh non, mais ça c'est pas vrai. Je sens que le camion il nous en veut en fait. Et ouais, la voiture elle fume maintenant. Et si il me reste plus que 3 petites barres. Donc si je tape encore un peu. Oh, j'ai réussi à passer, mais c'était un miracle. Vous avez vu, il nous dépasse. Et une fois qu'on l'a dépassé. Ah bah là, je suis mort. Hein. La voiture est morte. C'est bon pour partir. C'est bon pour partir. Bon, le bébé est mort, tout le monde est mort dedans, mais elle peut repartir. Je pense que le prochain choc, c'est fini, évidemment. Non, non, pas le camion, pas le camion. Voiture détruite. Voilà, bon, décidément, j'étais vraiment à la limite. Ah, il va falloir recommencer. À savoir qu'on parle de Lily, mais... enfin, la Lily, la compagne de Daniel. Mais aussi, dans le film, la trame se pose avec aussi la femme, on va dire, la copine de... Ah! La copine du commissaire, j'ai oublié son nom. Enfin, Diefenthal, hein, vous aurez compris de qui je parle. Non, mais c'est pas possible. J'ai réussi à faire aucune erreur, quasiment, dans toutes les parties avant. Et maintenant que j'ai besoin de refaire la même partie, je me loupe. Donc on va essayer de se concentrer pour pas casser à nouveau le taxi. À changer la vue. Il va encore essayer de nous tuer, je parie, lui. Là, je vais à bloc pour éviter qu'il me touche. Et là, évidemment, il va freiner. Et je suis déjà en train de fumer. Oh non, sans déconner! Qu'est-ce qu'il fait le camion? Et voilà, j'ai tout cassé. Ah, et ben voilà, je commence à comprendre d'où venir l'énervement. C'est que là, je pouvais rien faire. Le camion m'a défoncé. Et du coup, on va recommencer. Oh, c'est pas possible! Le camion, ça fait deux fois qu'il me ruine. Hein. On sent qu'il y a une Daewoo aussi dans le jeu. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Le jeu le fait exprès, quoi. Le jeu le fait exprès. Au moment où je passe, la voiture, elle tourne toujours sur moi, quoi. Je suis obligé à chaque fois d'esquiver tout le monde. Et quelques effets d'étincelles aussi, vous avez pu pouvoir sous la voiture. Allez, le camion qui va arriver. Qui va nous tasser, évidemment, ou nous rentrer dedans. Le camion qui va nous rentrer dedans, ça c'est évident.
Bon bah là je vais pas y arriver, hein. Je vais encore casser la voiture. Allez, je vous parie que le camion nous ruine. Vous sentez la frustration monter au fur et à mesure du jeu là? J'ai reçu les premiers coups et j'y arrive plus. C'est impressionnant quand même. En fait, que j'étais un peu plus safe tout à l'heure, du coup, je vais peut-être faire pareil. On va essayer de prendre le maximum d'avance avant d'arriver à la phase du... la phase où il y a le camion. Le camion ralentit. Vas-y, passe, passe, passe. Fais-toi plaisir, casse tout ce que tu veux. Évidemment, il m'a envoyé sur la voiture. Ça aurait été trop drôle. Bon, on a un peu plus de vie que tout à l'heure. Il va revenir. Je vais laisser faire. Bon, en fait, non, j'ai pas le laisser faire puisque il va m'entrer dedans. Non, non, les policiers, arrêtez s'il vous plaît, les policiers, c'est pas le moment. C'est bon, on a réussi. Ouf. Ouf, bah décidément. Bah je sais pas comment j'ai fait pour réussir le premier coup tout à l'heure. Vraiment, le jeu était beaucoup plus sympa. Bon, peut-être que j'ai mis le mode difficile sans rendre compte, je sais pas. Donc maintenant, on va falloir se souvenir qu'il faut faire passer le radar ultra vite. Donc le fameux booster là, 250. J'espère qu'on n'aura pas trop de camions poubelles à éviter. Bah, c'est pas un camion poubelle, mais bon, c'est un camion. On pourra passer à la suite. Histoire vraiment de débloquer la deuxième mission, quoi, qu'on puisse tester ça en mode taxi normal, voir ce que ça donne. Et voilà, deuxième barre qui s'est débloquée. Bon, on n'avait pas eu trop de mal la première fois, donc je pense que ça devrait aller quand même. Allez, ah, ça c'est un Mitsubishi Pajero, j'ai l'impression. Bah, merci le camion de nous avoir envoyé. Voilà. Et donc, ça après, normalement, hein, qu'il va falloir. C'est inévitable. Quand vous avez le petit bruit là, bim bim bim, ça veut dire qu'on va trop vite. Donc c'est par là hein, qu'on va avoir
le moment où il va falloir passer à fond. Et on a réussi à passer à 255, donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir passer le checkpoint. Sans mourir aussi. Alors faut vraiment regarder devant soi. Et on a échoué. Bon. On va faire... Non, que le bouton quitter. Eh ben on a échoué. Tout simplement. Voilà, super. Regardez, j'ai échoué au finish. Pour un dixième de seconde. Du coup, faut que je recommence tout. C'est génial. Êtes-vous sûr de vouloir retourner au menu? Non, j'ai pas envie. Mais je suis un petit peu obligé, en fait. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, on va pas s'éterniser. De toute façon, vous avez compris. Bon, voilà. Donc, je vous ai déjà plus ou moins dit mon avis. Hein, vous l'aurez compris. Le jeu est bien mieux que le pro le deuxième, enfin que le premier finalement, hein. Mais c'est pas trop ça non plus. En plus j'ai oublié de recommencer à chaque fois, c'est dommage. Baby Boom, Sir Yes Sir, on était allé jusque là, ouais, Sir Yes Sir. Mais c'est bizarre qu'on ait quand même verrouillé ça. J'étais en faible ou... Ouais. À la poursuite de Q, Vive la montagne, ça peut être sympa. Le rallye, bon, bah, voir ce que ça peut donner. Ah, le rallye, c'est sur la neige. Je pense que c'est par rapport au moment où ils se retrouvent sur une piste où ils sont en train de faire une course de trophée Andross. Donc, je pense que ça doit venir là. Red Track Time, je sais pas. Red Track Time, je sais pas trop. Bon, Vive la montagne, je pense que c'est la descente que l'on fait avec le taxi. Slalom final. Ah, bah non, c'est ça, slalom final. Je pense que c'est ça. C'est là où on fait la course poursuite avec. Avec le taxi contre les mecs qui sont en ski. Mais justement, je me dis que s'ils refont les missions comme dans le film, c'est-à-dire que là, par exemple, typiquement celui-là, si on se bat sur une piste enneigée, elle doit passer sur certaines parties du circuit, et qu'en plus, on a par exemple des skieurs à dépasser, etc., ça peut être pas mal, par exemple. Je pense qu'il y a peut-être des bonnes idées. Voilà, donc on va faire retour. Bon, mon problème, c'est qu'en mode taxi, j'ai rien débloqué. Ouais, si on a débloqué Baby Boom, voilà, c'est tout ce qu'on a débloqué. Donc on peut refaire l'émission, mais c'est tout. Voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas grand chose quoi. Donc c'est en amélioration, mais c'est vraiment trop léger quoi. Enfin, je sais pas combien le jeu était vendu à l'époque, mais c'est un jeu, tu le vends 20 euros quoi. Voilà, 20 euros, pas plus. Pour l'époque, évidemment. Ça s'arrête là. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus, pas besoin d'aller plus loin. Taxi, bon, si vous voulez une note, mais c'est vraiment pour dire une note, hein. Ouais, alors, on va les mettre 12, quoi. 11 ou 12. Parce qu'il y a des bons trucs, des trucs qui vont. Et le reste, malheureusement, ça ne le rend pas spécialement intéressant. Allez, j'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve pour une vidéo. Ciao, ciao tout le monde!